Et salut les enfants de la toile et bienvenue sur Itch pour ce premier épisode de ce nouveau let's play sur Fallout 4. Alors, on va tout de suite commencer. Hein. Alors bon, je l'ai déjà testé. Il faut savoir que je vais jouer en ultra. Hein. Toutes mes performances sont en ultra. Pourquoi vous me direz, normalement vous avez déjà une vidéo qui vous informe que j'ai du nouveau matériel. Et que normalement, si je me débrouille bien, il y a une bonne partie de mes vidéos que je pourrais faire avec de la qualité comme ça. Alors par contre, je vais baisser un peu le son pour moi. Voilà. Ce que je vais faire, c'est vous mettre les sous-titres, je pense. Difficulté, ouais. Sauvegarde avant repos. Ouais, du sauvegarde tout le temps, quoi. C'est pas là-dedans, les sous-titres. Non, voilà, c'est pas ça non plus. Alors, je sais pas du tout comment les. Je suis sûr que c'est pas là-dedans. Principal, ouais, voix, ouais, musique, on va la faire diminuer. On va la mettre à la moitié. Effet sonore en dessous des voix. Bruit de pas au même niveau que les effets sonores et la radio au même niveau, non plus fort. Voilà, ça sera très bien comme ça. Affichage peut-être, ouais. Fondu des objets, fondu de l'herbe, okay. Sous-titres des dialogues, on va mettre avec sous-titres généraux, ouais. Bon, allez, hop, tous les sous-titres, on va pas se faire chier. Afficher les effets, oui. Opacité, ok. Couleur. Oh non, je l'aime bien en vert. Je l'aime bien en vert. Ça, je sais pas du tout. Ah ouais, d'accord. Oh. Ah non, ouais, non, on va le garder en vert. Putain. Fallout sans un truc vert, c'est plus Fallout. Ça, ouais. Oh putain, ouh la vache. Ouais. Je le garde comme ça, couleur comme ça, ouh. Voilà, ça sera très bien. On a d'autres trucs, non, on n'a pas d'autres trucs. Ok. Alors ça c'est fait. Les commandes normalement, Z, S, ça devrait le faire. Ok. Parfait. Eh ben c'est parti. Allez les amis, on démarre. Alors, est-ce que je voulais dire quelque chose avant ? Quelques mots peut-être pour lancer cette nouvelle série. Non, je crois pas. Ah si. Juste un petit détail, j'ai pas encore vérifié, mais et je sais pas si ça le fait. En fait, j'ai déjà testé le jeu pour vérifier un peu comment ça marchait, pour être sûr déjà que ça marchait bien, même si maintenant avec le matériel que j'ai, normalement je devrais faire tourner presque tout. Et du coup, j'ai débloqué pendant ma première partie de test deux ou trois succès. Donc, il est possible qu'il y ait ces deux ou trois premiers succès qui ne s'affichent pas. Normalement, j'ai supprimé ma sauvegarde. Donc, je ne sais pas si ça va le prendre en compte ou si c'est définitif. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte, mais en réalité, un miracle s'est produit.
nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au 21e siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois ? Évidemment. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Ok, je suis beau gosse. Mais on va jouer une femme. À mon tour, mon grand. Quoi, vous trouvez que c'est pas cool ? Non, si. Il y a la moitié de mon auditoire qui trouve ça sympa, mais parce que c'est des gros machos de première qui veulent juste voir une femme se faire démolir. Et puis il y a l'autre moitié qui est sûrement, qui sont sûrement des femmes. Non, je plaisante. Allez. Fais-moi un peu de place. Je dirais que c'est peut-être plutôt l'inverse en fait. Non. Alors, donc on va déjà voir donc le visage. Ah, il n'y en a aucun qui me ressemble, quoi. Peut-être lui, quand même. Attends, il y avait quand en 3? Non, c'était en 4, alors. Pardon. Ouais, non. Le 15, ok. Alors, le style, coupe de cheveux, court. Oula. C'est la coupe militaire, ça? Ça a vachement changé, dis donc. Calvitie, ok. Elle est bizarre, elle coupe gros dur. Pervers. Ça fait quoi de face? Ah oui, punaise, en plus comme ça, avec les yeux, oui, là, ça fait pervers. Je suis d'accord. Dégarni, non. Mac, non. Celle-là, je l'aime bien, mais c'est en mode professeur. Ah, c'est sympa aussi. Coupe élégante, non. Employé de bureau. Rebelle. Ok. Décontracté. Propre et classe. Ouais. Je l'aime bien celle-là. Voilà, coloniale, elle peut être sympa, ouais, mais non. Banane, ouais. Je pense que je vais prendre banane. J'aime bien. Ça te donne l'air plus jeune.
Ah ouais? Alors. Gris. C'est du gris métallisé, ça? Grisonnant? C'est pas grisonnant, ça. Je trouve que cette nouvelle coupe me va super bien. Voilà, peut-être un peu moins quand même. Accepté. J'adore ton joli petit nez. Alors, pilosité. Dis-moi, tu préfères avec ou sans barbe? Ouais, non, là, après, c'est vraiment trop exagéré. Après, pour l'alcoolisme, ah, ça y est pas mal, ça y est pas mal. Un peu. J'hésitais, mais j'aime bien la barbe finalement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça doit être en faisant ça peut-être. Non, c'est pas ça non plus. S. Non. C'est un extra, voilà. Imperfection. Très classe, si je puis me permettre. Retirer. Retirer, aucune imperfection. J'avoue qu'une petite tache blanche à un endroit, ça pourrait tellement être kiffant. Mon beau mari musclé. Merde, j'ai raté. Hop, on recommence. E. Pourquoi il l'a pas mis? Que ce délire. Ah, c'est sûr, faut faire espace. J'ai pas trop mauvaise allure. Ouais. Puis, c'est quand même un gars qui a fait l'armée. Ouf. Est-ce qu'on lui fout toutes les cicatrices du monde? Non, peut-être pas quand même. Ouais. Ah si, celle-là peut être pas mal. Non. Alors c'est peut-être un peu trop exagéré ça, ça non, ça non. Il y a encore des trucs sur le côté droit ou pas? Voilà. Il a une bonne petite tête.
Merde. Je les ai enlevés. Quel con. Tac. Tac. Changer quelque chose. Voilà, ces tâches, il faut que je les enlève. Là. Pas mal. Pas mal. Voilà. Ensuite, extra, c'est fait. Le corps. Voilà, ça c'est pas mal, c'est à peu près moi. En peut-être un petit peu plus musclé. Bon bah voilà. Après 4 heures de 4 heures de préparation, on est prêt. Oh, des ciseaux. Non, je peux pas ramasser les ciseaux. Normalement, je peux absolument rien ramasser. Encore un produit de General Atomics International. On va laisser Cotsworth s'occuper de ça. D'accord. Hop, je vais tester un truc. Je ferme les portes. Bon, celle-là, elle sera ouverte, c'est sûr. Il y a quoi là-dedans? Purée minute, biscuits Fancy Lads, macaroni Blamco, date d'expiration, jamais. Encore cassé. Non, rien qu'on puisse. Je vais tout fermer. Alors pourquoi je ferme les portes comme ça? C'est pour vérifier un truc. Je suis pas sûr, hein. Mais j'aimerais bien voir si ça prend en compte après les portes fermées et tout. Bon, c'est vrai qu'au bout de 200 ans, on pourrait se dire que ça peut pas prendre en compte. Bonjour, monsieur. Tenez, votre café. Une température de Mon 78 Dieu! degrés, 6 Mais degrés c'est un Celsius, robot! comme C'est d'habitude. notre merveilleux Vous avez des ami! nouvelles. Et le journal d'aujourd'hui C'est vient notre d'être boîte à livré. conserve qui vole, qui est nucléaire, et on laisse ce truc-là approcher notre gosse. Grognac le barbare dans la jungle des bébés vampires. Mon préféré. Ah, c'est un clin d'œil à Conan. Bombe sucrée. 100% de l'apport quotidien en sucre. New Coca-Cola. Oh, je détecte une Bien odeur frais. suspecte. Je crois qu'il est temps de changer le petit chaude. J'étais pas trop pour au Et début, maintenant, mais la Cotsworth est très gentil avec Sean. Ouais, enfin, perso, quand je vois J'espère que le la café est scie à à votre métaux compte. qu'il a sur une de ses tentacules, perso, je le laisserai pas approcher du gosse. Ouais, je vais peut-être désactiver les sous-titres. Ouais, non, je les désactiverai après. Reste corvée, j'en redemande. Alors pourquoi je désactive pas tout de suite? Parce que bon, là pour l'instant, ce qui se passe à la télé, Allez, ça c'est pas ouvrez. vraiment intéressant. C'est sans doute ce représentant qu'on passe tous les jours. Ah, ok, faut que j'y aille. Mais vous verrez après. Bonjour, société Oh Valmir. merde, un témoin de Jéhovah. Allez, je dégage. Je suis assez pressé, en fait. Je ne sais pas ce que vous vendez, mais ça ne m'intéresse pas. Non, non, monsieur. Pas d'inquiétude. Je ne vends rien du tout. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Je n'ai pas vraiment envie de vous parler. Oh, vous devriez. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays,
Une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Putain, il a réussi à parler sans bouger les lèvres. C'est un ventriloque, le mec. Oh, j'ai bien envie. Vous savez quoi? On va tester ça. Je vais essayer de le faire dégager un peu comme les, bah, comme les vendeurs qui viennent de temps en temps taper à nos portes. Allez-vous-en. Ça ne prendra qu'un instant. Nous devons faire quelques vérifications pour nous assurer que vous aurez bien accès à l'abri en cas de destruction atomique mondiale. Ouais, je vais faire un nom. Revenez un autre jour. Allez, Trésor. C'est juste un peu de paperasse. Laisse-le remplir ses formulaires qu'on en finisse. J'ai dit non. Et moi, je dis oui. Là. Très bien. Très bien. Alors, allons-y. Ah putain. D'accord, un farcing de malade. Ok. Alors, prénom. Ou non. Ouais, bon, de toute façon. Workfay, évidemment. Alors ensuite, bah déjà intelligence, on va être sympa, on va mettre 6. Force, ouais. Précision. Je mettrais bien 5. Force, 4, pour pouvoir porter pas mal d'objets. Endurance, charisme, chance, ouais, je vais... Ah, et agilité, je vais tout mettre un peu. Et puis il me reste un point. Dans le charisme. Ouais. Ça va débloquer des possibilités de dialogue potentiellement intéressantes. Bon, après 4 sur 10, c'est pas énorme, je sais. Donc, accepté. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations, vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non? Ah, ce que je ne ferai pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas? Ah, ça y est, il a coupé le bébé. J'ai changé la couche de Sean, mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin papa que vous semblez si bien maîtriser. Tu as entendu Quodsworth? Allez, allez. Bah c'est bon, j'y vais. Là, les femmes. Ce sera un génie de l'orthographe ou un génie de la démolition. Je me demande à quoi Sean ressemblera plus tard. Bah, ça, on verra. Alors, comment vont mes hommes préférés? Fais tourner un peu le mobile. Il adore ça. Putain, mais je peux rien faire sans qu'elle me surveille. Mais sérieux, c'est pas une femme, c'est une gardienne de prison. Ça va mieux? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Plutôt regarder... Non, je vais être sympa avec elle, je vais faire sarcastique. Ce sera comme cette nuit dans le parc il y a un an. Madame? Monsieur? Je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Codsworth? Qu'est-ce que vous faites par terre, monsieur l'ours? Et maintenant, attendez, des éclairs. Des éclairs aveuglants. Des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi? On m'indique que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Des sources sûres nous confirment que... Oui? Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Ah, faut qu'on aille à l'abri. Vite! J'ai Sean avec moi. Allons-y! Habitant de Sanctuary Hills, Si vous êtes inscrit... Si je pars par là, ça passe? Immédiatement à l'abri 111. Je me demande s'il y a un, je sais pas, si je peux déverrouiller un truc en allant toquer à la porte, non? Ça passe pas, il n'y a pas des maisons où je peux toquer? Pour vérifier que mes voisins sont bien partis.
Ça a l'air. Là, j'imagine bien le coup, j'ai pris trop de retard et du coup, habitant je... de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrit, rendez-vous immédiatement à l'abri 111. Fais bien attention à Sean. Par ici. Ça, je suis devenu le mec bien chiant. Tu peux pas ramasser ça? Non. Hé, hey. Bon sang, je ne peux pas Pardon. Perdre ça. Ah non, je peux même pas les aider. Continue. L'abri est par ici. Allez. Hé. La porte de l'abri est par là, monsieur. C'est absurde. C'est si moi, Voltage. Vous ne si je rentre, vous ne m'arrêterez pas. Ah non, non, le facteur. Excusez-moi. J'irai porter plainte. Non, 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 si vous êtes inscrit, avancez. Sinon, rentrez chez vous. C'est pas vrai, on laissez-nous entrer, on est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte, c'est bon. Merci. Bonne chance. C'est quoi cette liste? J'aurais pu, je sais pas, nous demander, montrez-moi votre pièce ou maintenant. Ils sont de l'autre côté de la barrière. Allez, dépêchez-vous. C'est un grand délire. Tiens, ça c'est bloqué. Montez sur la plateforme, mettez-vous au milieu. Ouais, d'accord. Et si je vais plutôt par là? Monsieur, il faut descendre dans l'abri. Montez sur la plateforme. Excusez-moi. Monsieur, il faut que je fasse partir l'ascenseur. Sortez de la salle de commande. Ne traînez pas. Enfin, j'ai presque envie d'attendre ici, juste pour voir si... Bon, okay, tant pis. C'est bon, on y est presque. Tout ira bien. Je vous aime. Tous les deux. On t'aime aussi. Oh, ouais, j'ai explosion. Ce mec en a rien à foutre. Ah mais c'est impressionnant, il compte. Pas aller plus vite. Oh mon Dieu. Aidez-moi. Ouh la vache. On a réussi. On y est. Tout va bien. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111, un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Monter l'escalier, ouais. Je n'arrive pas à le croire. Si on était parti une minute plus tard, n'y pensez on plus. Serait tous... Vous êtes en sécurité maintenant. Montez tous... Moi j'ai adoré le militaire qui continue à faire les gestes pour indiquer aux gens où est l'abri alors que ça vient d'exploser. Pardon. Femme avec enfant. Bien. Là-bas, s'il vous plaît. Avancez juste. Allez, boum, je t'ai piqué ta. Merci. Au reste de l'abri. Et maintenant, suivez le médecin. Eh, trésor. Il vous montrera notre nouvelle maison ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. Tu vois, c'est notre nouvelle maison. Oh, vous serez bien ici. Tu fais peur, toi. Tu nous regardes bizarrement. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. On a tout perdu. Notre maison, tout ce qu'on a pas aller par là. C'est déjà cassé? Vous êtes sérieux? Je sais que c'est une situation terrible, mais Voltec sera toujours à vos côtés. Vous serez bien ici. Je suis seul qui a l'impression que c'est déjà en piteux état, ce truc. Donnez-moi cette peinture. Mais d'abord, on va commencer par un examen. Regardez les bordures, la peinture elle est dégueulasse. Les gars, vous avez pas fait... Je sais pas qui c'est qui était embauché pour faire les finitions, mais là... Je coche juste les gens sur la liste au fur et à mesure. Hé, ça fait beaucoup de noms. La plupart des gens ont réussi à entrer, c'est bien. Tu nous demandes même pas notre nom. Vous avez une famille adorable. J'espère que vous vous ferez à votre nouvelle maison. Mm-hmm. Pourquoi tout est gelé? Pourquoi il y a de l'eau qui coule partout? Les gars, vous avez de l'infiltration là chez vous. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Alors, fiston, je ne vais pas loin. Je serai juste là. Il y a quelqu'un qui bug. Ça bug. Le voilà, tu vois. Papa n'est pas loin. C'est bon. Entrez là-dedans et enfilez votre. Et si je rentre dans l'autre? Non, bah non. Ok. Je suis obligé de rentrer dans celle-là.
J'ai jamais vu un mec... Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. Détendez. C'est une nouvelle vie qui commence. J'ai jamais vu un mec enfiler sa combinaison aussi rapidement. Fonction vitale de l'occupant, normale. Procédure terminée. Dans 5... Ah bah super, il nous gèle. Je connaissais pas ce principe de décontamination. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis, si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime et vous aurez du gâteau.